Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous sur l'épisode 22 de Minecraft Origin. Épisode 22 où je vous disais on va se faire un peu d'obsidienne, donc je me souviens, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas repris Minecraft Origin, qu'on pouvait descendre ici, donc on va aller voir, je vais prendre ça pour l'instant en main. Histoire de me faire une table d'enchantement, ce sera bien parce qu'en plus j'ai niveau 32. Ce serait quand même bien de se faire une petite table. Je me souviens plus des chemins et tout ça, mais je pense que on va trouver quand même quelque chose pas trop loin. Bon, ce qui me fait peur, c'est que je descends pas des masses là. Va falloir que je retienne le. Oh mon dieu, c'est pas vrai, ça commence bien déjà. Toi, descends, non, pète pas. Bon, à la limite. Et bien sûr, j'ai très peu de torches. Oh, il m'a bien saccagé le truc, ce con. J'ai pas pris de. Forcément, ça ne peut jamais se passer bien, hein, une sortie avec moi. Hein. Forcément. C'est pas grave. C'est le creeper, on a l'habitude. Vous avez vu dans l'épisode précédent qu'il m'a éclaté mes vaches. On va se dire qu'à la limite, ça m'a filé un peu de cuir. C'est ce qu'il faut. Hein. Si j'avais du. Ah bah voilà, j'allais dire, si j'avais du gravier là pour me faire un escalier plus facilement, ce serait nickel. On va même le récolter avec le coup de la torche. Ça ira plus rapidement. Faut juste pas se fail au moment de la poser. Oh! Mais je ne connaissais pas ça. Bonjour, petite caverne. On n'ira pas voir ça maintenant, hein, bien évidemment. On ira peut-être l'explorer plus tard. Pour l'instant, je vais me faire un escalier qui me permettra de descendre. Ouais. Qui me permettra de monter aussi, bien évidemment. Je raconte n'importe quoi, c'est cool. Si je la pose là... ah oui, bah forcément. Il y a la torche qui gêne. Et je n'ai déjà plus de... Oh, j'aime pas descendre comme ça. Je sais pas pourquoi, ça sent mauvais. Reposons une torche rapidement pour éviter la crise du disque. J'y vais prudemment, hein, vous remarquerez. Je me souvenais pas qu'on pouvait descendre là, mais s'il y a des torches, c'est que j'ai déjà dû descendre. On va poser ça comme ça. Voilà, et voilà. On entend de la lave déjà, c'est bien. Et comme un idiot, je suis parti sans flotte. Bon. Pour changer de mes conneries habituelles. Bon, on va chercher de la flotte rapidos. Et je redescends, en espérant qu'il n'y aura pas un autre creeper qui m'attendra en bas. Ce qui serait carrément probable, hein, vu la poisse que j'ai. Voilà, et ça met 2h30 pour monter, c'est cool. Bref, en espérant que le numéro 21 vous aura plu. Bien sûr, il fait nuit, ça sent les galères. Épisode 21, en sachant que j'ai une source d'eau quelque part, je ne sais plus par où. Là. En sachant que quand je tourne celui-ci, le 21 ne sera pas encore sorti. Puisque j'en tourne plusieurs à la suite. Hein, donc, tous les commentaires que vous avez mis dans la 21, je ne pourrai malheureusement pas en prendre compte pour le 22. Bien évidemment. Sinon, je vous rappelle les bonnes choses, allez voir Gamecraft, tout ça. Bon, à la limite, j'ai même plus besoin de vous le dire, vous le savez. Oh, j'ai mis sur ce dos-là. Je n'entends plus la lave que j'entendais ici, c'est dommage. Et si j'allais voir par là, à tout hasard. Je vais peut-être manger un casse-dalle quand même, hein. Ça va... Ah, oh, ça va quelque part. Putain, je me souviens plus. Ah ouais, ouais. Très bon choix de destination. On peut passer de vacances magnifiques par ici. Ça, on va prendre. J'entends bien de la lave, elle doit être dans le coin, mais où? Eh ben... Oh là là. Je vais vous laisser, hein. Je vais aller jouer au loto et puis je reviens tout à l'heure, hein, si ça vous dérange pas. Parce que du coup, là, faut saisir l'occasion quand même. C'est épique, ça. Épique, collégramme. Ok, bonne de merde. Bon, alors, j'ai enlevé la plus grosse partie. En espérant que il n'y ait pas de lave en dessous. Non, ça a l'air d'être clean. Bon, bah, on va y aller, alors. On va y aller. Non, c'était pas cette pioche que j'aurais utilisée, parce qu'elle a déjà plus trop de vie. Donc, il m'en faut 4. Minimum. Pourvu que ça casse pas avant. Pourvu que... Putain, mais je suis con en plus. Je le dis, mais je n'utilise pas la bonne.
voyez que je fais ça prudemment, hein. C'est que de l'obsidienne, mais je sais pas. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près la chose que je préfère dans Minecraft, et c'est totalement, bien sûr, ironique ce que je suis en train de vous dire, puisque c'est le truc le plus soporifique qui puisse exister dans Minecraft, c'est-à-dire miner de l'obsidienne. Ça dure 2 plombes, il faut en plus la pioche en diamant, sinon rien. Donc voilà. Bon, je vais me finir la diamant dessus, hein, si, enfin, quoique, vu le... Il peut me rester encore beaucoup à prendre, mais... je vais essayer de prendre de quoi faire un deuxième portail, comme je vous ai expliqué dans le numéro 21. Peut-être que ça peut être intéressant de créer quand même un deuxième portail vachement plus loin dans le Nether pour sortir un autre endroit peut-être non exploré de la carte. Donc on verra ça, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravi de voir ce que vous en pensez. On en est à 6, alors il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minimum, il m'en faut 14 minimum si je veux un portail et une table d'enchantement, ce serait bien. Attendez, c'est affreux le temps qu'on peut perdre à miner ce merdier quoi. En plus ce bloc est laid, hideux, tu peux l'utiliser pour rien du tout à part, enfin je veux dire en déco tu peux pas l'utiliser, c'est tellement laid. Ou alors avec un pack de textures mais... de base, c'est laid. Alors que le caillou, l'obsidienne, hein, est pas très moche, hein, c'est plutôt joli même. C'est un beau petit caillou, mais bon. Et je pense que ça doit être très résistant aussi, hein, en vrai, comme truc. Je dis ça, j'en sais rien, mais je me doute parce que sinon il n'aurait peut-être pas fait aussi résistant dans le jeu. Ça manque de blocs, ça manque de blocs divers comme le titane, ce genre de choses. Les choses qu'on voit par exemple dans Terraria, dans la nouvelle version de Terraria. La nouvelle mise à jour, par exemple, de Terraria. Tiens, j'y pense, au jour où je tourne ça, il y a Starbound qui est censé sortir d'ici 1 ou 2 heures, donc ça va être sympa, ça. D'ailleurs, si ça se trouve, j'aurais déjà fait un live dessus quand vous verrez cet épisode. Si ça se trouve, on ne sait pas, on ne sait plus. Donc, il m'en faut 14, encore une et je remonte, j'aurai ce qu'il me faut. Bien sûr, j'ai oublié... Ah mince, j'ai relâché le clic, j'ai oublié de mettre le chrono. On enlèvera 5 minutes, je pense qu'on est à 5 minutes. Voilà, alors je vérifie juste le temps. Ouais, on est à plus de 5 minutes même. Alors, j'ai 14, j'ai tout ce qu'il faut. On peut remonter. En faisant discret, hein, quand même. Il manquerait plus qu'il y ait un creeper dans l'escalier. Et là, boum! On perd tout, les 32 de puissance, d'enchantement, la totale, quoi. Ce serait ballot. Au moment de faire la table, ce serait vraiment con, quoi. Donc c'est tombé, il me faut aussi un livre et 2 diamants. J'ai repayé. Hein. J'avais dans le souvenir qu'il fallait 1 diamant. Mais j'ai vérifié entre les 2 épisodes et effectivement il en faut bien 2. Vous avez vu ce petit coup d'œil discret mais rapide pour éviter de tomber avec un creeper en haut. Parce qu'avec la poisse que j'ai, c'est totalement faisable. Tac. Et. Ouais, je peux faire ça pendant 2 heures. Et voilà. Toc. Ouais, bien sûr. Et la marmotte, elle met le livre sur la table d'enchantement. C'est bien évidemment ce que tout le monde pensait. Donc pour l'instant, je m'en fous du sol, hein, sol de merde. Et on voit bien les petites étoiles. Donc juste pour tester, je vais pas l'appliquer. Alors on monte jusqu'à 14. Donc il me manque encore. Il me manque encore quelques trucs. Alors, autre astuce qu'on m'a appris, je sais plus qui m'a appris ça, mais c'est juste épique. Vous rappelez les fameux systèmes qui vous permettent d'avoir plusieurs niveaux d'enchantement, parce que ben, bien évidemment, quand vous êtes plein, peut-être que vous voulez un enchantement inférieur à ce que vous avez de disponible. Par exemple, là, je vois 5, moi j'ai 32. Alors, à la limite, je pourrais prendre 2 d'enchantement pour en garder les 30 pour avoir un enchantement maximum sur quelque chose. Mais là, vous voyez que j'ai 5. Il suffit de... Voilà, on voit que le minimum, c'est toujours 5 ou 4 ou... D'accord, je me fais de fermer ma gueule. Mais, disons que j'en veux un seulement. Un, je ne pourrais pas l'avoir. Ce sera pratiquement impossible. Donc, il y a une solution, une petite technique, hein, qui permet tout simplement de poser les torches. Comme ça, et vous voyez que les petites notes de musique... les petites notes ou les petits caractères qu'on voyait là, n'y arrivent plus. Et donc, on a bien notre enchantement à 1. Alors, je ne sais plus qui m'a appris ça. Mais je le remercie très chaudement parce que c'est vrai que c'est une superbe solution quand même. Donc voilà, donc on a toujours pas il commence à faire jour, j'ai l'impression. Ouais,
Il va falloir que je récupère encore du blé pour les vaches. Bah si, le blé, je l'ai là. Qu'est-ce que je racontais avant, moi? C'est vrai que j'avais posé la bouffe entre-temps. Donc je peux tenter une sortie maintenant. Je risque de rencontrer des copains. Ouais, ça mettrait un peu de piment. Donc on va récolter tout ça. Et puis on ira nourrir les vaches pour qu'elles se reproduisent. Parce que bon, là, vu que le creeper a fait un razzia, hein, on va dire ça comme ça, c'était pas terrible. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai même pas besoin de récolter ce champ, puisque j'ai assez à bouffer et j'ai assez de blé à donner aux vaches. Mais j'ai envie de vous dire, comme ça, c'est fait. Toi, tu voulais jouer ta kéké, et t'as même pas réussi à me mettre un coup. Tiens, in your face, motherfucker. Ouais, je sais pas pourquoi j'y vais tout lentement. On entend les... Ouais, je viens de casser du blé qui n'était pas encore mûr. Mais c'est pas grave, je suis plus à ça près, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. On entend les petits crétins là-bas qui crèvent sous les arbres. Ça vous apprendra! Ça vous apprendra quoi? Je sais pas, mais ça vous apprendra! Ça fait toujours classe de dire ça, c'est une sorte d'aura comme ça qui en ressort, tu sais. Ça vous apprendra, tu sais, un peu le moralateur. Bon, celui qui fait la morale, je sais plus. Oh, mais vous m'embêtez. Enfin, je dis ça, en même temps, je suis tout seul et je parle tout seul, donc je pense que c'est plutôt moi-même qui m'embête à moi-même. Je pense même qu'il me faudrait peut-être une assistance mentale. Mais voilà, c'est pas grave. C'est la folie qui me gagne avec les années, hein. Plus on vieillit, plus on devient... voilà. Donc, voilà, déjà c'est une perte de mémoire, quoi. Comme quoi je disais, Justin, c'est avoir avec la mémoire. Voilà, on va pouvoir aller mettre 2-3 coups de blé à nos vaches pour qu'elles se reproduisent. Je vais dire une salasserie. Et oh bah c'est bien ça, d'ici 2 ans et demi je vais pouvoir reboucher ce trou, tiens. À raison de 1 cube par cube, hein, je vais peut-être pouvoir. Par contre, ce qu'il est possible de faire, bien sûr sans pelle, hein, c'est quand même pas judicieux, mais on va le faire quand même. Ah ben voilà, voilà, il fallait pas que tu descendes. T'étais pas descendu en un épisode, mais il a fallu que là tu descendes. Moi, ça me semble tout à fait logique, hein. Je me dis, on peut parfaitement comprendre que subitement, quand j'étais en bas, t'avais envie de me rejoindre, hein. Mais sauf que c'est pas bien, Josiane, ou Ginette, ou Gertrude, ou ce que tu veux. Tu veux pas remonter, s'il te plaît? Et si je te pousse, ça marche ou pas? Non, il y en a le deuxième qui descend, c'est la clé du disque. Ouais, bah écoutez, vous allez rester comme ça, hein. Et puis toi, là, tu veux pas sortir, là? Ah, mais attends, mais je suis con. Je suis con. Avec le blé, il y a peut-être moyen. Allez, viens des. Quoi, ça... Ça vous intéresse pas? Il n'y a qu'une ou deux que ça intéresse? C'est une blague? Mais comment ça se fait? J'ai dû merder quelque part, là. C'est peut-être parce que j'ai dû... Alors, parce qu'il y a un genre d'espèce de mécanisme de protection dans Minecraft, qui consiste, en fait, à... Lorsque vous vous faites suivre par des bestioles, d'un coup, elle ne vous suit plus parce que vous avez changé d'item et que vous reprenez l'item en main, il ne vous suit pas tout de suite. Je sais pas à quoi sert ce mécanisme de protection, mais ça doit servir à quelque chose. C'est un fait. Sauf que, mesdames, je voudrais sortir. Merci. Sauf que, j'ai dû là, sans faire gaffe, me choper des trucs sans faire gaffe. En fait, on se comprend. Je voulais voir autre chose. Je voulais voir s'il y avait pas des vaches dans les environs pour les tuer. Et ben voilà. Je voulais voir si dans les environs il n'y avait pas 1 milliard d'euros qui tomberait du ciel. Non. Non, mais j'essaye, parce qu'avant je cherchais de la lave, je creuse un cul, je vois de la lave. Là je demande des vaches, je vois des vaches qui apparaissent quand je finis ma phrase. Bon, des fois je me suis dit que... C'est jamais, hein, on peut rêver, hein. C'est beau de rêver. Il ne reste plus que ça, hein, d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Le rêve. Comment? T'es bloqué, toi? T'as un bug ou comment? Tu vas me dire que je peux pas t'atteindre d'ici, tu te moques de moi. Ah bah, c'est toi qui vas venir à moi, alors. Mon dieu, une vache d'en dessous, j'avais jamais vu. Ce truc-là me... Ah, mon dieu.
et dire qu'on boit du lait. C'est crade. C'était le moment réflexion à la con. Ah bah j'avais réussi à récupérer l'item apparemment. 4, ça me permet de faire 4 livres. Comme j'en ai encore un, ça fera 5. Putain c'est con, il m'en manque un pour faire... Il me manque un livre pour faire 2 tables d'enchantement si je calcule pas faux comme ça de brut en blanc. De brut en blanc, n'importe quoi. Ah mais voilà, il y a toute la compagnie... Il y a toute la compagnie créole là, c'est bien ça. C'est bien parce que ça fait rire les oiseaux du coup. Ouh là là, alors ça c'était de la vanne de merde, personne n'a compris. Moi j'ai compris, c'est l'essentiel. Je pense que si je réécoute une de mes vidéos, je dois me traiter de con moi tout seul ou de malade mental ou de tout ce qu'on veut quoi. Vu les conneries que je raconte quoi, c'est voilà. Comme disait Sefiu, c'est encore une référence. Faudrait qu'on fasse le jeu des références, c'est-à-dire que vous devez noter toutes les références que vous entendez. Dans un épisode de Minecraft Origin, de Gamecraft ou de je sais pas quoi, enfin de toute l'équipe de Soul City, toutes les références qu'on fait tout le temps, ce serait drôle, tiens, faudrait qu'on fasse une fois un épisode où on cache des références et il y aurait un truc à gagner, ce serait sympa, hein. Comme Mister Simsim disait, il faut faire gagner des choses aux abonnés. Bah ouais, mais pour les faire gagner, faut qu'on les ait, et pour les avoir, faut qu'on les paye. Bah voilà, l'argent on le sort pas de n'importe où, quoi. C'est triste, mais c'est comme ça. On ne s'appelle pas. J'ai failli citer un nom, mais c'est pas juste. Mais nous, on gagne pas des millions avec nos chaînes déjà. On gagne rien, hein, faut être clair. Pour les quelques centimes qu'on gagne, les impôts nous arrachent tout juste derrière, hein, faut le dire. Vous avez vu l'instance avec laquelle j'ai dit. L'instance, Oh, je trouve plus mes mouvements en BET. Voilà, quoi de référence. D'ailleurs, quelqu'un qui avait reconnu cette référence. Hein. Ce petit accent qui fait penser à quelqu'un. Enfin, qui moi me fait penser. Et qui a d'ailleurs marché, puisque quelqu'un d'autre a. Ah, j'ai vu un truc au loin. Non, c'est pas ça. Pardon. Alors, qu'est-ce qui est intéressant aussi dans les nouveaux biomes? Là, j'y pense parce que je vois une fleur au loin. Ah, c'est le nouveau biome avec toutes les fleurs là pour faire les jardins. C'est juste une tuerie. Et ça, c'est dommage que je n'ai pas d'accès. Que je n'ai pas d'accès à ça directement. Ça aurait été vraiment sympa de trouver tout ça, quoi. Ouais. Phrase à la con, quoi, encore. Bon alors là c'est presque plus lucratif d'aller tuer des vaches un peu n'importe où que de les élever soi-même. C'est presque plus rapide aussi. Bon. Alors faisons du livre. Je n'aurais même pas assez de papier. Non, je crois pas à ça. Si, bah voilà, j'allais dire. Voilà, on a fait 20 livres, c'est bien, c'est un niveau bibliothèque, ça va envoyer du poney du poney à Crète. Du poney à Crète, n'importe quoi. N'importe quoi. Là, je n'aurais bien sûr pas assez de bois. Et c'est qu'il va falloir que j'aille rechercher du bois de nouveau, c'est chiant en fait. Fait que ça, d'aller chercher du bois. Tiens, tu m'énerves toi, tu restes là. Je sais pas si ça marche avec différents types de bois, on va essayer. Mes livres sont là. Si, ça a l'air de marcher. Mais je n'ai pas encore assez de bois. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où ça? J'avais encore du bois qui traînait? Je suis un peu fou, je crois. Les livres, 2. Ah bah non, en fait, je pouvais pas faire plus. Je fais n'importe quoi, en fait. Il me reste vraiment plus de peau de vache, là? Je vous insultais pas, hein, bien évidemment, mais... Bon, là, on va se délester un petit peu parce que là, c'est un peu le bordel quand même. Il faut le dire. Il faut le dire. Non, la bouffe, c'est. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec la bouffe, moi? C'est moi qui fais ça avant? Mais c'est n'importe quoi. Je suis complètement con. Ça, je devais cuire. Je l'avais pas mis dedans. Ouf, je pète un pont, c'est pas possible. Alors, ouais, c'est peut-être un résidu qui reste. Je sais pas. Je ne sais plus. Non, c'est pas ça. Alors, on va ici 1, 2, 3, en espérant que... je sais pas si on peut enchanter ça. 20. Ouais, on arrive qu'à 20 maximum. On va en rajouter 2 ici. Putain, mais j'étais sûr d'avoir vu chez le core bloc qu'il n'y avait pas besoin de mettre le troisième étage. Bon, espérons que là, ça passe. Ah, je crois qu'il est peut-être un peu trop haut, le truc.
crois que ça va rien changer en fait. Non, 24, ouais, ça change rien. Du coup, on va le récupérer et puis on va devoir refaire une bibliothèque. Je vais le poser sur un côté, ça ira très bien. Il m'aurait fallu une table de craft encore plus près pour pas que je cours tous les 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Tac, tac. Mes 3 bouquins. Ma table de craft. Et puis je crois qu'on va être bon là. J'espère qu'on arrive à 30. On n'arrive pas à 30, il en manque encore. Bon, on va essayer de refracasser de la vache. J'avais gardé ça sur moi. Donc on va aller fracasser de la vache. On va aller voir s'il y en a encore qui traînent dans le coin. Même si je doute fortement. Qu'est-ce qu'il va faire nuit ? Vous avez remarqué qu'à travers les vitres, maintenant, on voit beaucoup moins le... Ouais, il va faire nuit puisque le soleil n'est plus du tout dans le coin. On voit beaucoup moins bien l'extérieur, ce qui fait que... Ce qui fait que on voit beaucoup moins bien. Ça veut rien dire, mais on se comprend. Voilà. Ouais, enfin, jusqu'à ce qu'il fasse nuit, il y a encore quelques minutes qui vont passer. Parce que j'ai le temps de trouver de la vache dans le coin de là-bas où j'étais. Allez, on va aller faire un petit saut. J'aurais presque même pu partir à cheval tellement... J'ai l'impression qu'il court pas vite. J'ai l'impression qu'il court moins vite depuis une ou deux versions. Là. Il fait quoi? Il se passe rien, tu sais. Putain, il y a le coucher de soleil qui arrive. Fais un aller-retour, au moins pour voir ce qu'il y a. Et on va voir ce qu'il y a. Eh ben, il y en a une. Hein. Une, ça me fera un livre. Il m'en manquera. Allez, donne-moi un. Oh là là, il y a peut-être même moyen qu'avec ça, ça suffise. Il y a peut-être même moyen. On va voir. Enfin, quoique, une bibliothèque avait l'air de rajouter deux de puissance, donc deux de puissance d'enchantement. Donc, à mon avis, il va m'en manquer encore deux, puisqu'on est passé de 24 à 26. Là, je vais passer jusqu'à 28, il m'en manquera encore deux, à tous les coups. Ouais, c'est parce que j'ai trouvé les autres vaches trop facilement, il fallait bien qu'il y ait un truc qui couille un peu dans le pâté, quoi. Enfin bon, on va voir ça, et puis on ira se coucher aussi après. Mais on peut voir ça déjà de nuit. 3 boucs. Mais non, mais j'ai de quoi faire une... Je ne sais plus ce que je fais. En fait, ça doit être ça. Bon, du coup, je n'en ai pas assez pour en faire deux. Vous devez vous foutre de moi derrière votre écran. À se dire, mais putain, il fait n'importe quoi avec ses items. Ça vieillit, ça. Tac. Ah, voilà, c'est bien ce que je disais. Il me manque 2 d'enchantement. Bon, c'est bien parce que du coup, je pourrais mettre le dernier au-dessus. Ça fera symétrique. Non, ça sera joli. Bref, on va aller se coucher puis on va chercher encore une vache. Ouais, parce qu'avec ça, je peux faire que 2 livres. Donc, il me manque encore une peau. Et théoriquement, ça devrait être fini pour la table d'enchantement. Ce qui est plutôt pas mal au bout de 22 épisodes. Hein. On peut pas dire que je sois très rapide d'ailleurs. Allez, un petit câble de pain. J'ai cru voir un creeper. J'ai cru. Bah, ah bah oui, mais il y en a 2 là. Alors, est-ce qu'ils m'ont vu? Il y en a un qui m'a vu. On court. Putain, j'ai l'impression vraiment que ça court pas quoi. C'est fou. Allez, on fuit même. Quand il sera un peu plus loin, je pense qu'il me verra plus et il finira par dépop. Parce qu'on va minimiser les risques, hein, vu que les 2 creepers que j'ai croisés depuis le début m'ont pété à la gueule. Enfin, depuis le début, depuis le 21, hein, depuis ma séance d'enregistrement. Donc on va essayer d'éviter de combattre avec des forces que je ne maîtrise pas, bien évidemment. Ce serait quand même pas mal. Alors bien sûr, ma dernière vache, je ne vais pas la trouver. C'est mathématique. C'est mathématique, sinon je ne serais pas réputé pour avoir du fail dans tous les sens. Et ben sinon, je vais aller en tuer une dans mon pré, là, dans mon élevage, hein, tant pis. Ah, ben ce serait bien qu'il y ait une peau qui traîne. Une peau de vache. Je fais le tour juste pour vérifier, hein, pour être sûr. Pardon. Mais non, je crois qu'il va falloir que j'aille dans mon enclos
4 en but et une. Bon, c'est pas grave, j'en ai encore assez, c'est pas le problème. Surtout, hop, j'avais de la lave ici, tiens. Je me souvenais pas de ça. J'aurais pas eu besoin de descendre dans les profondeurs. Un petit coup de flotte là, et puis c'était réglé. Bon, bah voilà. Ça, c'est parce que je connais pas assez bien ma carte. Bref, on va aller voir ça. Il doit m'en rester quelques-unes quand même. Est-ce que j'ai du blé sur moi? Non, bien sûr, j'ai tout posé avant de... Sinon, j'aurais pu les reproduire tant qu'on y était. Alors, est-ce que j'arrive à... Yeah. Eh ben voilà, j'ai ce qu'il me faut. Donc, normalement, là, je devrais arriver au 30. Je vais me faire une pioche que je vais enchanter. Ça fera une bonne fin à l'épisode, hein. Est-ce qu'on arrive déjà à la fin? Ça passe vite, hein. Enfin, pour moi, ça passe vite. Mais peut-être que vous vous faites chier, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Donc, du coup, on va en mettre que ça. Ça sert à ramener plus. 3 livres. Il me faut donc... non. Ah, bah ça va. J'ai encore... on va casser ça. On va casser ça, tant que c'est fait, tant que ce fut, tant que c'est fa. Ok, donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Et en fait non, c'est moi qui suis con, c'est pas 3 comme ça, c'était... Voilà. Et donc du coup, il me faut ça. Et direct, la diamant. Putain, il me restera plus que 3 diamants, quoi. Il y a 2 épisodes, j'en avais 8, il m'en reste plus que 3. C'est dommage. Ça fait mal un peu quand même. Voilà. Map. Achievement get. Bah oui, bien sûr, t'as raison. Je croyais que dans une des mises à jour de Minecraft, il était question de ne plus perdre les achievement get quand tu réinstalles, hein, le jeu. Allez, dis-moi que c'est pas pris. Bah oui, je suis con, j'en ai fait l'expérience avant. Je suis vraiment sombrement idiot, hein. Y a pas à dire, hein. Je suis vraiment sombrement idiot. Ce qui fait que je vais devoir avancer encore d'un cran là. Oh, c'est dommage, ça sera pas symétrique. Ouais, bah c'est dommage. C'est dommage. Ah non, mais alors ça c'était épique ça. Ça c'était épique. J'ai fait le test avant et je suis pas capable de m'en souvenir 3 minutes après. Voilà. Bon, du coup, ça sera pas très joli. Voilà, j'ai enfin mes 30. Et ça me donne un fortune 3. Ouais. Ouais. Ça aurait pu être un peu mieux, mais bon. Mon attaque en diamant, il me reste 2 dessus. De toute façon, faut être clair. Je vais m'en servir. Allez, on va en faire une en fer. Parce que le fer, c'est bien. Et je vais l'enchanter avec les 2 trucs qui me restent, les 3 trucs qui me restent. Donc pareil, on utilisera le coup des torches. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi, surtout que c'est un seul qu'il me faut et... Et ça, oui, voilà. Achievement Gateway, bien sûr. Et alors donc, il va falloir masquer, comme le chevalier, masquer. C'était nul, mais c'était nul. Je crois que même moi, je me dégoûte tellement c'est nul. Et j'ai bien 3 qui me donnent un sharpness. Hein. Bon, ok, c'est pas mal. Bon, en tout cas, c'est déjà pas mal du tout. On a quand même réussi à faire quelques trucs. La fortune, c'est pour les matières précieuses, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Bah non, parce que là, j'ai pas de matière brute. J'ai pas de matière brute à dispo. Y a pas un charbon ou... Ouais, il aurait fallu que j'essaie sur du charbon, par exemple. Est-ce qu'il y en a pas dans la descente, là-bas? On va aller voir ça, on va vérifier ça, et puis voilà. Putain, mais quand même, au bout de 22 épisodes, j'aurais enfin enchanté quelque chose. Maintenant, il me reste plus qu'à... pérenniser tout ça en réenchantant des choses très rapidement, et donc il faut que je tape de l'ennemi ou que je récolte beaucoup de conneries. Je crois que c'était là qu'il y avait un accès, hein. Ouais, voilà. Ah bah il y a du diamant ici. Alors on va prendre des torches. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes torches? Bon, on va utiliser la sharpness, on va voir un peu ce que ça donne. Ouais, bah, j'ai connu mieux. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes torches? C'est fou ça. Bon, on va faire 100. Et ouais, il y a déjà des copains là-bas. Oh là là, et en plus j'ai plus beaucoup de vie. Je vais encore mourir, bon, au moins je suis enchanté, c'est déjà ça. Du pain, on va manger, hein. On va se restaurer un peu. Surtout qu'il... Voilà, je savais, j'allais le dire, il va arriver, j'aurais pas fini de manger.
pourquoi je prévois un petit peu les trucs. Alors, donc on en a deux, on va essayer. J'ai 0 charbon. Voilà. Et j'en ai pris 3. 3 qui m'en donne 7. Ouais, si, ça reste valable. Ça reste valable. Du coup, j'en profite pour me faire quelques petites torches. Putain, mais je comprends pas ce que j'ai fait de mes torches. Sérieux, c'est troublant. J'ai dû les poser par réflexe, je sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Là-bas, il y a de la lumière. Donc, soit j'ai déjà été, soit il y a de la lave. Ah, bah, j'ai déjà dû voir quelque chose par... Ah non, c'est de la lave. Ouh, j'aime pas quand ça grogne. Ah, il y a du charbon partout. Bon, enfin, je termine le truc de charbon que j'ai là. Et on verra la suite dans un prochain épisode. Tout simplement. Voilà, on va voir avec quelques cubes de charbon ce que la fortune 3 me réserve. Alors bien sûr, je le sais, hein, j'en ai déjà eu plusieurs des fortunes 3, mais c'est pour qu'on voit un petit peu ensemble. C'est intéressant de voir quand même pour l'évolution de la partie. Et surtout que c'est un bon filet de charbon là, on est bien servi quoi. C'est pas le charbon radasse quoi, on se situe dans quelque chose de très généreux, j'en ferais presque une poésie quoi, ou pas d'ailleurs. Ah bah, on a dépassé le stack. Ça, c'est good. Mais du coup, voilà. Du coup, je vais remonter et on va se quitter ici. Ça sera bien. Si je suis pas déjà perdu... Ah non, c'est par là. Non. C'est pas vrai. Je suis pas perdu. C'est pas possible que je sois perdu. Non, c'est par là. Voilà. Mon Dieu, comment j'arrive à me perdre sur 5 cubes de distance, quoi. C'est quand même terrible. Ça vous arrive aussi ça, ou c'est vraiment moi qui suis complètement à côté de la plaque? Ouais, d'accord, c'est bien ce que je pensais, c'est moi qui suis à côté de la plaque. Vous l'avez dit trop fort, hein, je l'ai entendu à travers je sais pas quoi, mais je l'ai entendu. Voilà, ça on prend pas, on s'en fout, on a tout ce qu'il faut maintenant. On court plus tellement après le livre du coup. On n'a pas d'enchantement à stocker ou quoi que ce soit, mais du coup voilà. Sur ce, encore un bel épisode qui se termine puisqu'on a réussi à faire cette table d'enchantement. Et puis ben du coup, je vous invite à me mettre plein de conseils dans les commentaires sur ce que vous voulez voir par la suite. Et puis je vous dis à plus pour le prochain épisode. À plus, bye bye.